Bonjour à tous et à toutes, je suis Lucie, bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2. La dernière fois, après une très très longue revanche sur un boss où il fallait un peu plus de stratégie qu'à l'accoutumée, nous sommes partis chercher à Oupa-Rupa et après un combat plutôt simple mais des rencontres fort pénibles, j'ai à Oupa-Rupa, je ne l'ai pas laissé partir, j'aurais peut-être dû. Mais bon, maintenant je vais aller le donner à la personne pour libérer l'homme herbe. Quoique, je me suis fait chier à trouver un Oupa-Rupa. J'ai pas envie de le donner. Vraiment pas envie de le donner. Je ne sais plus si j'ai soigné tout le monde. Oui! Tout le monde est soigné. Bienvenue, l'homme herbe n'est plus populaire. Black, rien à faire. Ah, mais si, ça a l'air super incroyable. 100 balles pour cette merde. Allez, vas-y. On y va. Ça fait déjà 3 semaines que j'ai pas retouché à ce jeu. Il fallait un petit moment de motivation. Et en même temps, le travail a repris pour ma part. Pas facile. Alors, voilà, Jean-Michel le méchant. Avez-vous apporté l'argent ou Oupa-Rupa? Argent, Oupa-Rupa? Pas encore. Oh, vous l'avez vraiment attrapé? Excellent. Mais Oupa-Rupa est tellement mignon. Peut-être que je ne vais pas le donner à manger au monstre. Ou pas? C'est ce que je vais faire, mais... j'ai mis en place un spectacle spécial où je vous réduis en miettes. Oh mon dieu, c'est un méchant depuis le début. C'est un mammouth. Un très gros mammouth. Grosse bête, hein. Ruinaire. Eh ben écoute, ruinaire. Écoute. Un petit dragon de feu. Sur toi, Nina, ma petite Nina, voilà, un vrai sort, et botch avec une double attaque, et un critique pour commencer, petit 91, je vais me fâcher, enfin, je vais me fâcher, et c'est une attaque de zone, yes, je suis en train de me faire tellement mal en ce moment. On arrive dans le deuxième tiers du jeu où ça devient compliqué. 512! Ça pique! Gros dégâts. Je suis très content de ces dégâts. Alors, un flamme 2, qu'est-ce que ça fait? Dis-moi au moins que ça marche à peu près bien. S'il te plaît. 122, ça va? 600 de dégâts. Maintenant, Ryu ne fait rien. Nina, va. T'as pas un sort de soin, toi? Non. Drainer, eh ben, essayons moins de défense sur lui. 4, étant donné qu'elle est en première ligne. Un soin sur Nina. Quoique, non, un soin sur elle-même. Et Botch, un sort de soin 2 sur lui-même. Sur Nina plutôt. Voilà, j'ai deux personnes qui peuvent me soigner. Je vais te gifler. Oh mon dieu, quel point! Ouf! Oh, gros punch ça, par contre, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu venir du tout. Mon prochain tour, ce sera du soin pour Ryu. Allez, est-ce que ça passe? Ah, ça passe! Ryu attaque, Nina va continuer avec un petit flamme. Elle a pas juste un flamme tout court. Ouais, quoi que non. Flamme 2, 4, étant donné qu'elle est en première, un soin sur Ryu. Et Botch, t'as pas un petit sort incroyable. Non. Je vérifie, non, un soin sur lui-même peut-être. Un soin 1 sur lui-même. Voilà, je pense qu'on sera bien. Ça me paraît une très bonne stratégie.
Ouf, gros punch sur 4. Ah, 100 de dégâts quand même par tour, c'est pas mal. Nina, Nina, bon bah continue. À moins que attaque-moi. Si ça passe, ce sera une bonne chose. Faudra aussi que je pense à racheter du soin. Je vais commencer à en manquer. Et Beau va attaquer. Mais après ce combat, il faudra que je rachète du soin. Alors, ce sera soit 120. Ah, je l'ai bouffé. Ah, je l'ai mangé, mais tellement fort ça. Vache, ça pique. Ah, échec, tant pis. Waouh. Ça pique ça. Ah, il me reste un soin, j'ai pas un extra quelque chose. Non, il me reste un soin, tant pis, ce sera pour Ryu et Butch va passer derrière pour être sûr d'avoir un full PV. Ah, et c'est un sort de zone. Sort de zone, ça va, pas trop de dégâts par rapport au coup simple. J'essaye d'assurer mes arrières, mais là, c'est compliqué. Fin critique, et c'est le win. 10 000 d'XP, 1 300 balles. 4 niveau 20, botch niveau 20, à vie sur botch. Ça, c'est cool. Pas question, je ne veux pas mourir. Vous n'avez pas intérêt à vous moquer de moi quand je serai mort. Et il explose. C'est triste que des gens que rassemblent pour voir un spectacle de torture qu'un démon a imaginé. Eh oui. Ryu essaya d'ouvrir la porte, mais il n'y parvint pas. Il n'y a pas de porte de ce côté. La sortie est ici. Waouh. Grosse porte. Pourquoi tu ne t'es pas sauvé? Tu aurais pu être tué. Laissez-moi vous expliquer. J'attendais des gens comme vous. En d'autres termes, j'attendais que quelqu'un qui aurait réalisé que quelque chose de terrible allait arriver. À en croire cet arbre, il y a une forêt qui est morte près de Portail. Vous êtes venu me voir car vous avez besoin de mon aide pour comprendre ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Waouh, merci scénario. Si j'écoute les voix des arbres, je peux comprendre ce qu'il s'est passé dans une forêt lointaine. Mais mes pouvoirs ne sont pas assez puissants pour savoir quelque chose de la forêt de Portail. Les pouvoirs du démon sont trop puissants. Pour savoir ce qu'il s'est réellement passé, la seule solution est de parler au grand arbre sage. Je crois que c'est la meilleure chose que nous pouvons faire, et de parler au grand arbre sage. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, en route! Le grand arbre sage est dans une forêt appelée la Grande Mer d'Arbres, qui est à l'ouest d'ici. Si je vous conduis, nous pourrons marcher à travers la forêt. Ah ah! Aspa a rejoint le groupe. Ah! Intéressant! Un personnage qui passe à travers la forêt. Oui, changement d'équipe. On va garder Nina. On va garder Kat. Et on va prendre Aspa qui est. Oh! Qui est fort bien habillé. Mais problème. Problème se pose. Un problème se pose en fait avec Aspa. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes en train de nous préparer. D'accord, bah cassez-vous.
Un problème se pose avec Aspa, déjà je vais voir un petit peu cet homme, ses sorts. Alors, un froid, un soin, attaque, magie, défense, silence, ok, donc plutôt magicien comme personne. Alors, cravage, bracelet, ah ouais, va falloir te pexer un petit peu mon petit gars. Ouais, il y aura un petit aspect expérience qui va devoir être fait. Mais bon. Donc là, je vais acheter quand même quelques objets de soins. Bienvenue au bazar. Give me some soins bourreaux. Parfait. Et puis, on va faire un petit peu de rangement. Et on va lui acheter un petit peu d'équipement à Jean-Michel Laforêt. L'équipement, c'est où déjà? C'est ici. Alors, bienvenue à l'armurerie. Et ben, que peut-je pour moi? Qu'est-ce que... un fouet, c'est vrai ça. Et ben, un fouet pour Jean-Mi. Alors, attends, une armure, un casque et un bouclier, et bah, l'armure. Et puis, on sera bien. Déjà, il aura un petit peu plus de stats. Alors, attends, je me suis pris un énorme truc. Ah, voilà, souffle, ça c'est pour moi, clairement. Alors, déjà, voilà, 58 de dégâts, c'est bien. Et en armure... Ouais bon, armure, écoute, hein, tu te débrouilles avec ça. Voilà, qui est déjà mieux. Je pense que déjà je vais les sauvegarder. Et ensuite, un petit peu d'XP pour le faire augmenter de niveau. Et ce sera déjà pas mal. Cœur de santé, va. Ouais, non, c'est bon. Et bah, tiens, je vais te faire un petit don. Hein, je le rappelle, à bout d'un moment, on va obtenir un objet important. Bien, c'est y part pour aller faire un petit peu d'XP. Et on va faire une petite ellipse pour vous. C'est parti pour aller farmer. Bien, donc, après cette petite session d'XP, bon, ça n'a pas fait énormément de choses, il a juste pris un seul niveau. C'est pas incroyable. Alors, une forêt à l'ouest. Voyons, je suis là. Alors, ils me disent à l'ouest, je pense que c'est bien plus bas. Je crois même que j'y suis allé à cet arbre à un moment dans ma vie. Je pense même qu'il est juste en bas en fait. Je suis même sûr qu'il est là. Oui, je vais mettre de la soluce aussi un petit peu. Écoutez, si j'ai pas. J'ai. Oh là là. Un golden arbre. Est-ce que je vais réussir à l'abattre? Je me souviens d'en avoir vu un comme ça lors d'une session de. De farm, mais il a beaucoup de résistance. Alors j'en ai vu un, par contre il m'a défoncé. Ça se trouve j'ai gagné beaucoup d'XP ou beaucoup d'argent, je sais pas. Oh. Ah. J'ai mal, j'ai super mal. Putain, 12 de dégâts en critique pour 4, c'est chaud. Yes, qu'on fera 2. Vache, trop de résistance là.
Mais c'est qu'il en a de la vie, le bougre. Ou de la résistance, je sais pas trop. Putain, mais c'est la taille de ce poing. Ouf, ça pique. En tout cas, les critiques sont avec moi, mais ça fait rien. J'ai pas envie de claquer un dragon pour ce mob. Ce serait limite un mini-boss en fait. Oh, ça picote, ça picote. Ah, Banina, tiens. Ça marche. Et évidemment, c'était le point. Ah, attends, je sais pas si elle est sort. Est-ce que je viens de comprendre quelque chose? Oui. Je viens de comprendre comment ça marche. Putain, c'est fou ça. Donc changement de plan. Je viens bien de passer 5 minutes avant de me dire attends, de la magie évident. En cas t'as des sorts beaucoup trop pétés. Mais déjà 27, je trouve que c'est déjà pas mal que 10 par tour. Si avec un flamme 2, je mets au moins 30 ou 40. Pas 55, incroyable. Regardez, je mets 70 maintenant, dommage. Putain, c'est fou. Bah écoutez, et si je peux au moins farmer ça, je ne dis pas non. Ah, c'est pas qu'il y a quand même beaucoup de magie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce combat va être très très long. Ah bah voilà, 3000 d'XP, mais ça les vaut carrément. Ça les vaut carrément, ce combat était incroyable. Alors donc, il y a une fille qui s'appelle Eishishi qui recherche toutes sortes de machines à Gantz, qui est tout près. Est-ce étrange qu'un arbre sage parle comme cela? Oui. D'accord. Ok. Il faut aller à Gantz qui était juste à côté. Est-ce que je le savais? Non. Enfin, par contre, ce golem en or, 3000 d'XP. C'est pas mal. Alors, déduction.
J'aurais pu les sauvegarder, mais je le ferai pas tout de suite. Je déduis que peut-être ici. Ah, je me pensais à toutes sortes d'armes. Sans lec, j'avais pas du tout remarqué. À ton prénom. On est d'accord que je suis bien un Gant. Exactement. Alors, il faut trouver Eichichi. Peut-être cette maison. Ça, c'est une auberge. C'est une auberge et il y a personne. Ok. Peut-être que si je parle, peut-être qu'il faut parler à des gens. Concept. Ah non. Non. Jamais. Personne. Personne ne veut rester avec vous. Ici peut-être. Non, pareil, des marchands. Y a pas quelque chose à Gantz pour que je passe quelque part? L'armurerie. Bonjour. Non. Ah oui, mais non, mais vous vendez des trucs pétés, mais trop cher. Et ben quoi? Et ben, on va faire une petite save et puis je sais pas trop. Hein. Oui. Est-ce que j'ai zappé quelque chose ou bien qu'est-ce passe-t-il? Je ne sais pas. Je vais voir. Alors, c'était pas là que je devais aller, hein, parce que la Solus m'a dit, non, en fait, ces genres d'arbres là que vous voyez juste au-dessus, en fait, ce sont des arbres spéciaux, des endroits où se trouve un dialogue un petit peu caché. Et là où je dois aller, en fait, c'était évident. Et je l'ai oublié, c'est là où il y a la grosse forêt, qui est juste au nord. Donc on y va, tranquillement. Voilà, juste là. Non, ça c'était la baie... la baie où j'ai trouvé... la baleine. Et donc nous voilà dans une nouvelle zone. La forêt et l'arbre qui se trouve ici, c'est là où je dois aller. Attaque surprise sur du pollen. Yes, trop bien. Alors, cet arbre-ci, qui ressemble à l'autre. Arbre sage. Aspa vient juste de rentrer. Ce sont les gens qui ont besoin de ton aide pour découvrir ce qui est arrivé à la forêt de Portail. Arbre sage, je t'en prie, parle-nous. Que va-t-il arriver à ce monde? Quel est ce démon? Oh, tu es en retard, Aspa. Il t'a fallu tellement de temps pour revenir que j'ai oublié toutes les choses importantes. Si je me souviens de rien, c'est ta faute, n'est-ce pas? Et ainsi, rends-moi service et rends-toi à Musica et emprunte l'oreiller thérapeutique. Si nous l'avons, vous pourrez pénétrer dans mon âme et ramener mes souvenirs. Mais je crois que je sais où je dois aller. Je vais quand même explorer un petit peu cette forêt. Regardez, cette forêt que l'on y va. A priori, je vais aller un petit coup à l'ouest et au sud. Là, il n'y a rien. Le Musica, c'est pas là où j'étais. Oh! La musique n'est pas pareille, tiens. Et il y a un villa ours. Étant donné que nous sommes dans une forêt, je suppose que Flamme 2 est utile. Évidemment, tout cela est une supposition. Attaque. Ah merde, c'est vrai. Il faut faire gauche pour les ennemis et à ce pas du pollen. Je découvre un nouvel ennemi. Est-ce que je vais mourir? Aïe. Et une petite réponse. Zblu. Elle change la musique, j'aime beaucoup celle-là. Un peu plus énergique.
le problème est un problème réglé. Du coup, tout sur le vilain ours, notamment les tanks. Oh, attaque plus. Oh, il se passe des choses. Et là, le pollen attaque et tue quelqu'un. Lol. Alors, je disais pas ça pour... J'ai ça un petit peu dans le vent, moi. Ah, quel dommage. Kat est décédée. Heureusement que Nina n'est pas morte. Hein, Nina qui possède la vie. Et Ryu qui possède les soins. Qu'il n'aura bientôt plus si je ne trouve pas un home soigné. Alors, je vais dire un petit coup en bas. Parce que il y a quelque chose sur ce pont, je crois. Ou juste en dessous. Waouh, mais je découvre plein d'autres monstres. Je suis très curieux. Je suis vraiment très très curieux. Du coup, je vais aller faire les combats. Je vais peut-être mourir. Ce sont les risques du métier. Pompe. Ah, il me prend ma vie. Aïe. Ah oui, il prend la vie bien quand même. Il prend la vie yimbe. Bon, le coup du trioï, par contre, ça fait un peu déjà vu, j'ai l'impression. Oh putain, 140 de dégâts. Waouh. Très sensible au feu. Très bonne chose à savoir. Très très bonne chose. Et 3000 d'XP. Parfait, Aspa niveau 14, défense plus. Incroyable, double level up. Alors, le pont. Normalement... Ah ouais, c'était ici qu'il y a quelque chose. C'est quoi ça? La vallée brume. Ah, on me dit dans mon oreillette que je dois pas y aller maintenant. On me dit dans mon oreillette que c'est une très mauvaise idée. C'est pas là que je voulais faire. C'est pas là que je voulais faire. Ouais, on me dit dans mon oreillette que je vais pas aller ici tout de suite. Je vais retourner à Musica. Mais déjà, je vais aller me soigner. Je crois qu'il y a un endroit où je peux me soigner. La première ville qui passe. Attaque surprise. Bah, parfait, je me casse. Je pense que cette session va être un peu courte et je vais bientôt terminer. Alors, Musica. Je suis sûr que c'est en... Bah, c'est là où j'étais. Donc, il faut que j'y retourne. Un oreiller thérapeutique. Me semble-t-il que c'est la musique. Hein. Je suis pas certain. Mais je suis pas non plus absolument 100% sûr. Ah mais la musique change. Toutes les musiques de combat changent. Je sais pas si j'ai dû faire une manip quelque part. Mais la musique a changé vraiment partout. Alors je vais aussi voir si... Dans les zones de chasse, Aspa a un pouvoir ou quelque chose, ou bien il va aller se faire mettre. Il a rien du tout. Rien du tout, rien du tout, ok. Rien du tout. Il ne sert à rien. Et Kat, elle casse des cailloux. Voilà, donc pour le plan de chasse, n'appelez pas ces personnes. Est-ce que au moins elles me comprennent? Ah bah déjà il y a des choses qui changent. Avez-vous dit quelque chose? Ouais déjà toi t'étais pas là avant. Vous êtes en voyage? Ah ils comprendront pas votre langage dans cette région. Oui si vous voulez parler ici, amenez un instrument de musique. Mais il doit y avoir quelque chose de particulier. Comme la célèbre flûte de Hautfort. Compris? Allez à plus tard. Hautfort. Ça me dit rien du tout. Ça me dit absolument rien du tout par contre. Je vais juste me soigner. Hautfort. J'y suis peut-être déjà allé, mais alors je n'ai aucun souvenir. Ce qui est perplexe. Vraiment très perplexe. Bon, bah essayer de trouver Hautfort. C'est quoi ça? Ah, il y a une statue de sauvegarde juste à côté, je l'ai jamais vue. Attendez, petite save. Ah bah, je sauvais, ouais.
Ouais. Et si je continue, qu'est-ce qui se passe? Ah bah je sors de la map, ok. Ok, ok. Je viens de trouver l'endroit de Hofort. Alors on va découvrir une nouvelle partie de la carte. C'est fort bien. Parce que Hofort est en fait juste en bas à droite. Bien, je vais vous montrer, ça va aller rapide. Ouais, très rapide. Voilà, c'est juste ici. Normalement. Ah, perdu, c'est un tout petit peu en bas. Voilà, il y a cette chaîne de montagne, grosse chaîne de montagne, et c'est juste là, en bas, là où je ne suis pas allé, et j'ai bien fait de pas y aller. Et ce qu'il y a, c'est que bah, j'ai toute une énorme zone à traverser, et donc une zone assez dangereuse, où je vais sans doute mourir, et perdre énormément de points de vie. Bon, ça, c'est que du pollen. Alors, il va falloir que je me renseigne, par contre, parce que la musique de combat qui change d'un seul coup, c'est pas commun. Je sais pas si j'ai fait une manip ou quoi. Ou si c'est, ou alors si c'est prévu dans le jeu pour t'indiquer, hé, hey, c'est bon, on te met une autre musique. C'est très sympa. Bon, pour le moment, ça se passe. 4 level 21. Je vais au moins essayer d'atteindre Hofort avant d'y aller et de nous laisser ici pour cette session. Attaque surprise, bah je me barre. Je me barre très très fort. Et tellement fort, mon gars, t'as pas idée. Voilà, c'est juste là où je dois aller. Vous l'avez vu, le petit château. Franchement, ça va si c'est que du pollen. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus ardu. Mais ça va. En tout cas, 1000 d'XP pour 3 pollen. Pour... Oui, c'est 3 pollen. Je trouve que c'est un bon deal. Allez. Et bientôt que du pollen. Bon bah une petite zone toute sympathique. Allez, on y est presque. Impeccable, impeccable. Oh, oh. Bon alors là, bon alors je le sens pas. Ah je, là même pas en rêve, même pas en rêve, j'ai fait tout ça attaque normale. Là je sens qu'il y a une douille. Ouais je sentais. Petite riposte. Ah ouais, presque 200 points de vie pour cela et double hit pour Nina, ça picote. Ah, Nina qui se prend le double hit, par contre ça fait très très mal. J'espère que je pourrais le prendre une armure beaucoup plus puissante dans le futur. Voilà, 2000 XP, ça va, c'est pas dégueu. Bien, mesdames, messieurs, je pense que l'on va se laisser ici pour cette session qui sera un tout petit peu plus courte que, bah, que ce que je fais, un petit peu moins d'une heure celle-ci. Merci d'avoir suivi cette session, nous sommes à Hofort normalement. Nous découvrirons cet endroit beaucoup plus tard et on se rendra dans le jeu juste après. Merci d'avoir suivi cet épisode dans ma compagnie, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire, si jamais vous avez des trucs et astuces pour aider dans le jeu, parce que, je le rappelle, la localisation FR, c'est pas facile. Là, je suis niveau 20, eux, ils sont au niveau 33 sur la Solus US. Abonnez-vous à la chaîne, like, commente, je suis sur Twitter et Instagram. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.